à tous les amis, c'est Akane et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et les amis, aujourd'hui, on va aller analyser, euh, excusez-moi, un nouveau personnage qui arrive demain sur la version globale, le Gojo Murasaki Holo Technique Purple. Voilà, donc Gojo Murasaki puisque Murasaki c'est violet en japonais, les amis, si vous ne le savez pas. AK étant rouge et AO étant bleu. Évidemment, je sais parler couramment japonais, c'est faux. Euh, voilà, le personnage arrive dès demain sur la version globale et du coup, bah, est-ce que c'est intéressant invoquer sur le personnage est ce personnage Est-ce que le personnage est broken Est-ce que le personnage est euh, bof on va voir ça dans cette vidéo. Les amis, avant de la commencer, n'hésitez pas, petit pouce bleu, abonnement et la cloche. On est pratiquement 1600 sur la chaîne. Ça s'approche à grands pas. Les 1600 étant une, une nouvelle marche dans euh, notre quête des 2000 abonnés. N'hésitez voilà, pas à vous abonner, les amis, et à mettre la petite cloche. Comme ça, vous serez notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et puis bah, si vous découvrez euh, cette chaîne avec cette vidéo, sachez que je fais des vidéos régulières sur euh, Jutsu Kaisen, que ce soit la globale ou la japonaise, mais je fais également du multigaming. Donc vous retrouvez des let's play et des découvertes de jeux sur la chaîne, voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, pour le Gojo, Murasaki, c'est un personnage de couleur vert. Au niveau des stats, c'est broken, voilà, de toute façon, c'est les meilleurs personnages du jeu en termes de stats, les Gojo, et tous les Gojo, pour le moment, sont comme ça, à part le Gojo John, qui, lui, du coup, a toujours les, fin, a des stats, entre guillemets, beaucoup plus normales. Le personnage a comme caractéristique qu'il part au bout de 7 tours. Voilà, donc en gros il a les mêmes caractéristiques que le Gojo bleu, lorsque 7 tours sont passés, il se casse. Lorsqu'un Black Flash est fait, il augmente son crit rate, puisque le personnage peut Black Flash et vit d'avant. Au niveau de son skill numéro 1, fait 421% euh, de melee taille du tout damage à un seul adversaire avec une grande chance de critique. Et il baisse les tailles du tout damage de l'adversaire de 15% et il baisse, les, euh, il baisse les jutsu damage de 15% de la cible. Donc en gros, avec son skill numéro 1, il fait déjà 421% de dégâts, ce qui est absolument broken parce que le personnage. Et très fort hein. au niveau des stats, c'est le meilleur personnage donc euh, c'est euh, extrêmement fort et en plus il va baisser les dégâts que là, ça va faire. Donc que ce soit en taijutsu ou en jutsu, donc bah en fait on a un, un, un skill numéro 1 qui frappe extrêmement fort et qui débuffe l'adversaire. Voilà, alors généralement les les skills, les skills numéro 1 souvent ils font rien ou alors ils mettent un petit truc là. Il a un gros kit, enfin, en tout cas pour les personnages du début de jeu. Donc là, rien qu'avec son skill numéro 1, c'est intéressant. Au niveau de son skill numéro 2, et c'est là, là que le personnage est broken, les amis, il augmente les dégâts reçus euh, de l'adversaire de 30% pour 2 tours. Voilà. Donc en gros il a un debuff enfin euh, il a un debuff sur l'adversaire qui va profiter à toute la team. Euh, il augmente les euh, dégâts euh, que l'adversaire va faire de 10% pour 1 tour. Donc c'est un désavantage, mais c'est un désavantage qui est quand même léger, puisque l'adversaire va faire 10% de plus de dégâts, mais il va prendre 30% de plus. Donc. Voilà, C'est un, un léger petit désavantage, mais voilà. Et il augmente ses propres dégâts de 70,1% pour deux tours. Donc en gros, on a un personnage qui, contrairement à un Gojo bleu qui se buffe lui-même et qui ne fait rien pour la team, on a un Gojo, un Gojo vert qui déjà de base avec son skill 1 debuff l'adversaire, et avec un skill 2 de debuff encore une fois l'adversaire, et euh, comment dire et augmente ses stats, sachant, chassant, oh excuse moi sachant que, pardon, euh, son skill du coup augmente les damages euh, que l'adversaire va faire de 10%, mais sur le skill numéro 1, vous baissez les damages qu'il fait, que ce soit en Taijutsu ou en Jujutsu. Donc finalement, bah en fait tu peux contrecarrer ton effet euh, désavantageux enfin, désavantage ici avec ton skill numéro 1. En vrai, le personnage arrive très bien à gérer son désavantage, et derrière, up quand même pas mal tati. Au niveau du skill numéro 3 les amis. Il augmente ses break damage de 100% une fois. Il fait 362,4% de dégâts jutsu, da, Jujutsu à un seul ennemi avec 4 coups. Et il baisse les damage de l'adversaire de 15% pour un tour. Donc, pareil, les amis. Euh, bah en gros, là, il va augmenter les damage que l'adversaire va faire. Mais il peut les redescendre encore une fois ici. Et il va faire quand même de gros dégâts avec 4 coups. Donc, 4 coups qui te donnent 4 fois plus de chances de faire un coup critique qui te donne 4 fois plus de chances de faire un Black Flash, et qui également va augmenter tes break damage. Donc euh, bah c'est fort, c'est extrêmement fort les amis. Rien qu'avec ça, bah, le Gojo vert euh, te montre que euh, quand il est là, il tape. Et il est là pour taper fort, pas juste euh, des petits dégâts. Véritablement, il est là pour taper très fort. Au niveau de son ultime, fait 1999% de dégâts de Jutsu à tous les adversaires, il baisse les ultimate count de 2 de l'adversaire, et il se casse, voilà. Donc, euh, encore une fois, un petit désavantage au niveau du Gojo vert, lorsqu'il lance son ultime, contrairement au Gojo bleu, il se casse. Même s'il lui reste 3 tours, lui, une fois qu'il a balancé son ultime, il se barre. Donc c'est quand même un sacré désavantage, mais contrairement au Gojo Bleu qui fait à peu près 1000% de damage sur son ultime, lui il en fait 2000. Donc il a le même stat. Hein. Il a les mêmes stats, mais lui il fait 2000. <laughs> Donc autant vous dire que le Mulasaki, il va te faire des dégâts, mon gars. Il va te faire des dégâts, mais du turfu. Tu lui mets Yaga pour augmenter ses dégâts. Tu lui mets Yuki pour augmenter encore avec son ultime. Tu fais le skill 2 juste avant pour augmenter les dégâts que l'adversaire va prendre. Et alors là, mais tu te tapes des, des ultimes, mon gars. Mais alors là, tu dépopes l'adversaire. Véritablement. C'est un monstre de puissance en termes de dégâts. Au niveau du combo ultimate, il augmente à lui et à l'allié euh, les, les les critical hit rate de 40 donc en gros, tu as 40 de chance, de plus de chance de, comment dit, de faire un coup critique pendant 3 tours et il fait 100 de jutsu damage à tout l'adversaire. Au niveau de ses auto skills stratégie retreat au début de la partie, il a une grande stratégie retreat Statue tout Save pendant ces tours, euh, en gros, donc en gros, c'est la même chose que euh, le comment dit, que le Gojo de base puisque euh, au bout de ces tours, il se casse et il a également du coup le au début, du coup. Fin, au début du combat, il est immunisé aux attaques euh, à lui-même. Donc voilà, donc en gros il ne peut pas prendre de dégâts, tout simplement. Euh, les seuls dégâts qu'il peut prendre, c'est lorsque l'adversaire lance une extension de territoire, puisque l'extension de territoire te garantit ton coup et euh, a nullifié entre guillemets l'effet d'esquive que peut avoir ce Gojo. Donc bah euh, qu'est-ce que tu peux conclure sur ce personnage-là euh, Bah en gros, en fait, pour vous dire actuellement sur le jeu... Actuellement sur le jeu, tu as deux personnages qui sont extrêmement forts. Tu as Yuta, tu as Gojo Bleu. Moi personnellement, et encore aujourd'hui, je mets Yuta plus fort que Gojo Bleu. Même si en termes de DPS pur, euh, Gojo est plus fort que Yuta. Mais moi, Yuta, par rapport à Gojo Bleu, je le place plus fort parce qu'il fait plus de choses et il rentre plus facilement dans plein de teams. Puisqu'avec son heal ultra intéressant, et, euh, qui, enfin, ultra intéressant et qui lui permet de le placer en tant que soutien de la team, c'est juste, euh, voilà, juste ultra ultra fort. Euh, et en plus, il fait quand même de bons gros dégâts avec une ultime à 2000% également sur tous les adversaires. Donc voilà, le, moi personnellement, je mets Utah, pas forcément de la manière la plus objective, mais pour moi, le Utah, en fait, je le place plus fort parce qu'il fait plus de choses. Il est plus utile à ta team que le Gojo bleu. Il n'est là que pour taper fort et c'est tout. Et il faut que tu construises ta team pour qu'il tape le plus fort possible bah là en fait Gojo vert bah, c'est comme Uta en fait Gojo vert il est là et il fait pas juste taper fort c'est à dire qu'il va donner un soutien à la team alors c'est pas vraiment un soutien à la team mais en gros c'est un debuffer c'est un debuffer en gros en fait il va debuff l'adversaire sauf que du coup toute ta team va profiter de ses ce debuffs. c'est à dire que l'adversaire va faire moins mal et va prendre plus de dégâts donc toute ta team va profiter en fait de cet effet que le Gojo se met donc au final tu vas taper plus aussi fort voire plus que le Gojo bleu et en même temps ce que tu fais a également un impact sur ta team. Donc, bah, en fait, voilà, t'es plus fort. <laughs> Techniquement, c'est mieux. C'est plus intéressant. C'est plus sympa à jouer. Parce que, du coup, t'as plus de stratégie. Parce que le gojo bleu, quand tu le mets, il est là juste pour taper. Il est là, et tu sais qu'il va te foutre des 400, 500, 1 million de dégâts. Facilement. Le gojo vert, il est là, il va te taper pareil, voire même plus fort, parce que, du coup, il a plus de pourcentage sur son ultime. Mais en plus, il va également augmenter le dégâts généraux de ta team, puisqu'il va débuffer l'adversaire. Donc, en fait, il est encore plus fort. Voilà, il est encore plus fort. Donc, qu'est-ce que ça donne quand tu as un personnage qui est plus fort que les meilleurs personnages du jeu Eh bien, tu obtiens un monstre. Voilà, un monstre. Donc, Murasaki, Gojo Murasaki est le premier monstre du jeu. Voilà, enfin, le premier. C'est pas le premier, mais c'est un monstre. C'est un monstre de puissance qui est extrêmement puissant. Euh, par contre, euh, sur la tour, euh, je suis pas sûr qu'il soit très utile. Je suis pas sûr qu'il soit très utile. Alors, il va t'aider, il va bien t'aider, mais euh, la restriction de, de, du temps en fait, euh, de, de où le personnage va rester et euh, le fait qu'il se casse après son ultime fait que, bah, comme tu vas rencontrer potentiellement des monstres qui vont pas se faire one shot par son ultime, et bah, euh, bah, en gros, tu perds, tu peux potentiellement perdre très rapidement un personnage. Et, euh, et en fait te mettre dans une situation qui est quand même assez compliquée, alors évidemment du coup euh, bah, tu vas quand même faire beaucoup de dégâts et tu vas quand même réussir à passer des niveaux, mais euh, c'est pas le personnage qu'il faut aller pique pour espérer euh, faire la tour ultra facilement et en mode bah si tu l'as pas tu peux pas y arriver, euh, parce que bah voilà le, le, le petit avantage du fait qu'il ne reste pas longtemps euh, et euh, fait que le personnage du coup va, euh, bah, va pas être aussi utile que ça au niveau de la tour. Donc voilà, euh, n'invoquez pas sur le personnage juste parce que euh, vous voulez faire la tour. Euh, c'est pas l'un des meilleurs personnages pour faire la tour. C'est un bon personnage pour la faire, évidemment, parce que c'est un très bon, très bon personnage. Mais euh, son euh, défaut qui, du coup, bah, est un peu insignifiant sur le reste du jeu, bah, sur des combats aussi durs que sur la tour, là c'est plus compliqué. Là, y a, y a, ça, ça discute quand même beaucoup plus. Donc voilà, Donc, est-ce que c'est intéressant d'en invoquer sur Gojo Vert et eh bien en fait on va arriver sur le même point que Momo Yuji en fait. C'est-à-dire que oui. Enfin que plutôt que Momo que Yuji, oui, c'est très intéressant de l'invoquer sur Gojo Vert. Mais est-ce que tu vas le faire Non. Tu vas pas l'invoquer sur Gojo Vert. Pourquoi tu vas pas l'invoquer sur Gojo Vert Et euh, eh bah ben, tout simplement. Bah. Euh, bah il, y sera il sera sur le portail de la Perma. Il sera sur le portail de la perma, c'est pas un perso limité. Donc, Gojo Vert, bah il va revenir assez souvent sur les portails. Et une fois que la perma sera mise à jour, il sera sur les portails. Et il sera sur le portail free to play de la perma. Donc en fait, tu pourras aller le choper là-bas. Là, parce que très clairement, aujourd'hui, bah, t'as pas besoin forcément du Gojo vert. Un, Utah, il fallait. Parce que Utah n'allait pas revenir. Donc fallait le choper. Gojo vert, si tu l'as, par contre, attention, je dis pas qu'il qu est inutile. Si tu l'as, mais là, du coup, mais tu vas dépop les adversaires, ça va vraiment t'aider dans ton, ton, comment dire, ton, ton, ton accomplissement sur le jeu. Mais si tu l'as pas, ça va pas t'empêcher de, de terminer les missions. Parce qu'avec les personnages free to play, avec les personnages que tu possèdes déjà, tu peux arriver à faire des teams et réussir à faire tes niveaux. Donc, est-ce que c'est intéressant d'invoquer bah, Pour un pay to play, oui. Pour un pay to play, oui, c'est intéressant d'invoquer. Pour un free to play, ça dépend de tes ressources. Véritablement, ça dépend de tes ressources. Si tu es un gros fan de Gojo et que tu veux l'invoquer, tu peux y aller. Parce que du coup, ça reste un excellent personnage. Si tu veux être strat et que tu veux avoir une gestion de tes cubes euh, quand même conséquente, pour pouvoir aller invoquer et économiser sur des vrais monstres, enfin sur des vrais autres monstres du jeu, à savoir les personnages des 6 mois, et eh ben euh, soit t'as pas beaucoup de cubes, et là du coup t'invoques pas. La question se pose même pas, si t'as pas beaucoup de cubes, si t'as 2, 3, 4 multi-max sur ton compte. Invoque pas, parce que bah, c'est pas suffisamment pour pouvoir aller gérer les personnages qui arrivent ensuite. Par contre, si tu commences à avoir 25 000, 30 000 cubes, voire un peu plus, bon bah pourquoi pas faire quelques petites multis sur personnage, sachant que peut-être on aura des tickets gratuits sur lui, il y a un event, j'espère qu'ils nous feront des ticket, ce serait quand même cool, ils nous l'ont pas mis sur Momo et sur Yuji, bah mettez-le sur Kojo quand même. Donc... Ça peut se discuter sur est-ce que je mets une, une ou deux petites sur de ce personnage pour essayer de l'avoir. Par contre, genre fais pas comme Utah, hein, balance pas tout ce que t'as, balance pas tout ce que t'as, euh, garde voilà, garde suffisamment de ressources pour être à l'aise si jamais ils annoncent euh, les personnages des six mois beaucoup plus rapidement euh, que, que, que que sur la version japonaise. Du coup, ce ne seront plus les personnages du demi anniversaire, mais simplement de la campagne Jijika euh, du coup, euh, Arc du coup, Arc Gojo et Ghetto jeune. Donc donc voilà donc si t'es fan du personnage, tu peux invoquer. Si t'es free to play, ça dépend de tes ressources. Si t'as pas beaucoup de cubes, n'invoque pas, vraiment. Pour invoquer, je pense qu'il faudrait que t'es au moins. Allez, on va dire... Au-dessus de 25 000 cubes, je pense. Enfin, c'est pas 25 000, du coup, c'est 24 000. Au-dessus de 24 000 cubes. Donc en gros, quand tu t'approches des en gros 8-9 multi de 10 sur ton compte, pourquoi pas en faire une ou deux Tu vois, pas plus. Genre descends pas en dessous des 20. Descends pas en dessous des 20. Approche-toi des 20, genre si t'as à 24, enfin si à 24, euh, 24, 27 000, bah tu descends jusqu'à 21 000 par exemple. Si t'es au-dessus oh, de 30 000, bah tu peux en faire un tout petit peu plus. Surtout que si t'as le ticket, tu pourras également faire une multi-gratuite. Et voilà. Si t'es drop de personnage, tant mieux. Si tu le drops pas, tant pis, il sera sur la portail perma, donc t'auras euh, 1000 fois 1000 chances de l'avoir derrière. Donc tu finiras par l'avoir de toute façon sur la perma. Donc, euh, donc voilà. Et puis bah évidemment, c'était pas play de toute façon la question se pose pas, de toute façon tu mets de l'argent dans le jeu, donc euh, bah tu te fais tu te fais kiffer ce personnage qui t'intéresse. Euh, le petit, le petit, en fait en gros le petit cash player, je vais le mettre dans le même niveau que les free to play, ça dépend de tes ressources, parce que du coup tu vas pas aller invoquer jusqu'à avoir le personnage. Donc bah euh, chill, frérot, mets une ou deux petites multi, et puis c'est tout. Et puis bah le gros cash player, de toute façon, si tu mets 100 balles sur le jeu à chaque fois qu'il y a un portail, c'est que t'as la thune pour le faire, c'est que tu peux le faire, donc bah voilà de okay, toute façon, euh, je pense que ma vidéo euh, est-ce que faut invoquer ce personnage ne t'intéresse même pas, puisque de toute façon, quand un coach le sort, tu sais très bien qu'il faut l'invoquer. Mais, mais voilà, c'est plutôt pour les free to play invoquer que si vous avez suffisamment de ressources pour pouvoir gérer ce qui arrive derrière. Voilà, c'est tout ce que je vous dis donc. Si vous avez moins de 20 000 cubes, la question ne se pose même pas. Si vous avez plus de 20 000 cubes, vous invoquez, mais vous ne, dépassez, enfin, vous ne descendez pas en dessous des 20 000. Et puis si vous êtes cash player, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Après, si vous voulez dépenser toutes vos ressources, vous pouvez le faire plaisir. Genre, je vous dis ça, tu vois, mais c'est qu'un avis. C'est juste pour vous aider dans votre ressource. Comme je vous l'ai dit dans la, des dans vidéos précédentes. J'ai pas envie de créer une frustration dans la communauté et dans ceux qui m'écoutent. Euh, ça reste un gacha, et si t'as envie de te faire kiffer et de balancer tout, tout ce que tu veux, tu t'en fous de la collection, tu t'en fous de la gestion de compte, etc., fais-toi plaisir, vraiment. C est, c est le principal, c'est que tu te fasses kiffer sur le jeu. Mais si tu veux bien gérer tes ressources, voilà. Fais, fais ce que je te dis, et normalement, tu devrais réussir à régulièrement et toujours avoir un stock suffisant de cubes pour pouvoir aller chercher certains des personnages. Euh, moi, personnellement, j'espère qu'ils... Euh, comment dire J'espère qu'ils vont rapidement mettre la pitié transportable, enfin transportable, euh, que tu peux mettre, en fait, que tu peux acheter du coup euh, sur chaque portail pour pouvoir la mettre sur les, les portails d'après. Parce que par exemple, tu vois, genre si t'avais la pitié, euh, enfin ce, 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 cet item là en gros, tu pourrais faire deux multi sur Gojo, récupérer 10 points de pitié et ensuite du coup les économiser et en gros bah, au bout de quelques mois euh, les dépenser sur un personnage pour essayer de te le garantir. Voilà. Parce que par exemple, vous voyez, moi sur Utah, j'ai dépensé 115 000, enfin 115 000, 115 points de, de pitié. Ce, euh, ce qui fait du coup 11 multi et 5 singles. Et bien en gros, je mettrais juste 5 singles de plus et je pourrais récupérer 60 points pitié. Ce qui fait qu'en gros, sur le prochain personnage, j'aurai 6 multi de moins à mettre pour avoir la pitié. Parce que euh, 10 points de pitié, c'est 20, enfin 10. Euh, ticket pity c'est 20 points de pity sur un portail en gros en, entre guillemets genre pour, euh, pour une invocation sur un portail suivant faut que t'en mettes deux sur celui là enfin bref vous avez compris un peu le principe euh, mais j'espère qu'ils ils ont dit qu'ils mettraient plus rapidement que sur la japonaise et c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt cool dans la gestion parce que pareil du coup tu peux, du coup, tu peux gérer tes pity pour aller essayer de, 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 de te donner euh, un personnage garanti sur celui que tu veux voilà euh, mais écoutez, c'est après tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du personnage et si vous allez invoquer ou non ce personnage. Euh, petit pouce bleu, abonnement et la cloche comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est canne Allez. Ciao